Oh, j'ai tellement traîné ici. Et du coup, bah, on a tous chill. Et bah, le MMR dans les lobbies était pas à l'avantage des joueurs qui essaient de se qualifier, quoi. On laisse Daisy et Salvi avec nos 4 Français, on n'est pas des bêtes. Bah, Daisy mérite d'être qualifié. Il aurait dû être qualifié déjà aux Worlds d'avant. Il était vraiment très très fort, il avait explosé le qualifier, il s'était pas qualifié de peu sur une grosse erreur. C'est quoi le meilleur start item en ce moment? Il n'y a pas de meilleur. Je peux en prendre un item offensif. Arc, PF, gants. Si tu peux, parce qu'ils sont plus rares après en late. Et ouais, je pense que c'est ça. Dans les cas, je peux pas garder l'idée qu'un arc. On a une paire de Fiora. Vous entendez bien la musique ou pas? Ou il n'y a pas de musique pour vous? Là, c'est de la musique calme, là, je crois. On avait aussi ces deux-là. Y'a pas de musique, là? Ah ouais, parce que en fait, dès que c'est de la musique calme, ça coupe tout, quoi. J'ai monté un peu. Elle sonne d'un coup, ben. Pourquoi elle est si calme là, cette musique là? Il m'endort bien. Mais on n'était pas mis sur cette playlist pourtant. On était parti sur ça. Un petit peu d'électro quoi, quand même, pour que ça bouge. Ah ouais, ça catjam là un peu. Sinon, ça fait chier. Oh le RFC! J'ai pas eu d'ailleurs. Attends, mais j'ai plus d'élu. Allez, là, ça va probablement être jamais des mages. Attends devant. Je pense qu'on va full lose et on va roll au 6 et... Game Z, hein. Bye comme ça. C'est jamais Akali. Non, c'est jamais Akali, les gars. Dites-vous, quand c'est une game Akali, c'est pas une game Akali. C'est simple. Tu prends des musiques qui sont pas copyright, ouais. Donc je vais pas prendre ça. J'ai pas envie de jouer les mages. Après, bon, j'espère ne pas avoir Tristana Dragon Soul. Ce serait le pire truc, mais... C'est vraiment le... Je crois que c'est le pire élu que je pouvais avoir de tous les élus qui existent dans le jeu. No joke, hein. Ah là, je crois qu'on est parti pour un giga open fort, hein. Ah là... Je vais pas jouer Fiora 3... Pff. Donc là, ça va être un giga open fort into quelque chose qui aime bien RFC. Faudrait que je prenne un autre arc, du coup, je pense. Non, ça va, ça se fait en vrai, ça se fait. Y'a Kayle qui est bien, je peux jouer Sivir aussi. Faudrait que je prenne un autre arc, je pense. Et au pire, je fais Ginzo sur Kayle en late. Je pense que c'est ce qui m'ouvre le plus d'options. Après, je vais prendre Négatron pour être sûr d'avoir RFC QSS. Là, ou... Qu'est-ce qui se passe là? Allez, Fiora. Bon, là, il faut vraiment que je choisisse bien mon item. Parce que RFC, QSS, je perds Olaf, mais je gagne. Je gagne Kayle et Sivir. Pourquoi pas Kalista de mid-game et Z. Mais en même temps, prendre une Négatron, ça fait chier, quoi. Mais c'est ce qui vaut le plus d'options, n'est-ce pas?
Si je prends un arc, ça me rapproche de Ginzo. Ah, il faut que je prenne une Négatron, ouais. Du coup. Parce que je vais roll au 6. Et au 6, les odds d'avoir des trucs bien, c'est RFC-QSS. Hein. La Swisper n'est pas obligatoire sur Sivir. Bah, un peu, ouais. Mais tu choisis quoi, gros? Négatron, 3 gold, please. Oh putain de merde. Oh putain de merde. Oh putain de merde. Oh putain de merde. Bravo à toi. Tu as niqué ma game. Alors, je pense que logiquement, Négatron a ce qui m'importe le plus d'options, quoi. Il y avait une Nico. Oh putain, il y avait une Nico. Oh, je l'ai pas vu. Oh, je suis vraiment une buse. Oh, putain, en plus, je pense que je passe pas le palier 30 à cause de ça. Oh, bordel. En vrai, no joke, c'est huge. Ah si, non, j'ai le buff, plus. J'ai pas vu. Ah, il y a Sivir. Il y a Sivir, quand même. Je peux pas lâcher Sivir. Après, on peut se dire... Oh, non, je peux pas open autant. Sivir Spirit, attends. Attends, y'a pas une Sivir Spirit là? Pogu? Non, mais c'est trop à chier là. Bah, je vais la prendre. Je pense que je vais essayer de. Je vais essayer de faire un truc. On va faire ça. On va faire des rounds, mais ça va être rigolo. Diana était buff, vous savez, son shield désormais est de 50 shields de plus. Ça devrait tout changer. C'est Vier Spirit, les gars. Oh. C'est bien. Good loss. Putain, j'aurais dû prendre le Bladou. Non, mais en vrai, c'est une game Z, hein. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a en trop, là? Le Daryu. Ça sert à rien. Assassin, s'en fout. Est-ce qu'on peut mettre ça pour tempo? Non, en vrai, c'est jamais Sivir Spirit. Surtout pas avec une Diana, ami avec un Timo, mais... Fortune? Non. Je pense que c'est juste ça. Fuck. Bah, ça va pas mal, Galio qui a été buff. On peut le voir maintenant, qui atterrit bien sur ses unités. Top Galio. Pas mal, Galio. Joli. Galio, il y avait 5 unités. Et c'est des brawlers, hein, donc on peut pas les louper. Qui atterrit au centre de la map. Hein. Bravo. Top. Tip top. Oh. Tu passes les golems là? Salut Yellow Swag. Comment ça va? Bon, ça va, écoute, hein, comme une game où j'ai pas eu d'élus depuis le début. Tranquille, on va trouver. Ça, c'est le pire item. On voulait tous sauf une tire, je pense. Baguette, arc, négatron, gant, tout ce que tu veux, mais... Cry me river. Alors... RFC, QSS, si on veut jouer Z, on n'a pas Runan, mais on a un peu de Zeke. Si on veut jouer... Kayle, c'est pas mal en vrai. Ah, on a Sharp aussi, putain. Peut-être mieux. Pourquoi une pyramide? Si on veut jouer Olaf, on peut plus. Et si on veut jouer Sivir, bon, on peut pas. Donc on est plus proche d'un Zeke Kalis. Donc Kayle. Tranquille, on va roll, on va stab. Après, dans tous les cas, je peux prendre l'item que je veux, au cas où, vu le nombre d'HP que j'ai.
Mais c'est dommage des games comme ça en vrai, où t'as aucune paire, t'as pas d'élu. Tu peux vraiment pas te battre avec les autres. Oh putain, Nagdaya. Mais c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Oh, putain, quel champion de merde. Hein. Casse-toi. J'aurais dû prendre Timo. Oh! Ça, c'est un grand oui, monsieur. J'aurais dû prendre Timothée. Est-ce qu'on a déjà ça? Ok. Du coup, on va faire Zeke en prio, je pense. Mais putain, je prends des items de merde. Ouais. Est-ce qu'on garde ça? Ça coûte cher, hein. Oh, bordel. Ah, attendez, il faut s'organiser un peu. Parce que qui sert à rien ici? Ces deux-là servent strictement à rien. Ouais, d'accord. Ça, c'est bien. Ça, c'est lourd. Et faut une fronde, quoi. C'est le nid, hein. Bon, bah, allons-y, hein. Parce que je n'ai plus très envie de jouer Elise, j'ai pas envie de jouer Jarvan, ni Pyke, ni Lulu, et Fiora, Janna, c'est pas obligatoire. Timo, il faut que je le garde un peu. Et Ah, le nerf de ces Juani, là. Ah, en vrai, elle est tellement longtemps. Et j'aime bien garder Fiora, mais faut que je remonte mes gueules. Petite Kayle Karou, là. Prendre Janna. Non mais je pense que Xayah est pas bien ici. J'ai pas besoin d'avoir 4 exec. Quelle baguette. Zeke 4 goals. Après il y a Kalis 1 goal. Peut-être. En plus je deny une Sejuani Belle, c'est lourd. Après à voir si j'ai une baguette qui tombe sur une Lucky Lanterne. Non parce que dans tous les cas je la veux pour... Bon bah c'est une game Kayle. Alors lui, il reroll Nazu. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Attention à la game Kayle de mort. Akali élu bench. Pogyu. Putain, j'ai refusé Nakali élu quand même. C'est ça, non? Ok, lourd. Alors, est-ce qu'on la met sur Kindred? Le met. Ah, je crois que oui. Je suis pas sûr de ça. En vrai, je pense qu'il faut plus de la fronde que. Parce que Xayah, tant que j'ai pas Kay, Xayah est vraiment useless. Parce que là, je vais pas lâcher Timo de la game, je pense. C'est ma seule direction. Je vais pas mettre encore la tire sur lui. On sait jamais. Ah, le Aatrox il nous hook. Mais gros. Aatrox il nous hook au dernier moment. Oh. Ça manque de front. Ah ouais. Après j'y roll, hein. J'ai dû rater un Timo, j'aurais eu Timo 2 là. Le truc c'est que. Non, on est pas bien. On est pas bien parce que j'ai eu un early pas ouf et. Et en vrai, y'a rien qui a stab. Puis notez-lui, c'est pas une bonne idée. Aatrox 1, il a détruit toute mon équipe. Attends, dégâts magiques? Dégâts physiques, pardon? Un bug? Après bon, le truc c'est que Sivir juste RFC c'est pas incroyable, ça ne suffit pas à gagner round.
Il met aucun dégât. Ok. Let's go. C'est sur mon PC où il y a un cas viewer qui vient de pop. Oui, c'est des bots. Je rajoute toujours des bots en plein milieu de game. D'ailleurs, yo à vous les gens. Petit coucou. Bip bip. Et bip à vous aussi. Bip bop. Là, je pense qu'il faut roll down complètement. 10 gold s'il faut. Mais je passerai pas le level 8 dans tous les cas dans cette game. En stage 5. Ok, c'est lourd. C'est lourd, c'est lourd. Ah, c'est pas ouf. Hein. Oh putain, c'est incroyable ça. Nice, putain. J'ai pas divin, n'est-ce pas? On s'en va, ça. Ok, c'est vraiment lourd. Y'a plus de Kennen, y'a plus de Sivir, y'a plus de Teemo. Là c'est bien, y'a pas de Janna, c'est bien. J'ai très envie de jouer avec lui, non? Ah mais après j'ai QSL, j'ai peut-être pas besoin d'Azir dans cette game. Je crois que c'est une game où j'ai pas besoin d'Azir. Et là je pense qu'on va faire double Kalice. Et là c'est quoi? C'est Ginzo? Je vais te faire Ginzo d'abord en prio. Agree, le chat, agree. Merci Bidoban. Est-ce que je rollerai pas un peu plus là en vrai? Si, je pense. Ah oh, si, en plus j'ai... Nice ça, putain. C'est juste du roll qu'on veut, on veut du roll, baby. Spat duelliste. Ah mais je fais comment pour une spat, les gars? En fait, il y a deux possibilités. Soit je sécure un Kalice qui est absolument colossal. Et je vais la voir parce que personne veut une tire. Soit je sécure une Ginzo qui est bien, qui est moins bien que Spat Duelist. Mais il faut gamble une Spat. La musique est devenue forte. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça dépend du gamble. Parce qu'il peut y avoir une Lucky Lantern, faire plein de trucs. Et l'arc dans cette compo, j'en fais rien, globalement. Mais oui, monsieur! Bon, ok, là je pense qu'on va arrêter drôle. Tant pis si on perd des rounds. Ce Kalice c'est bien, mais ça va me donner une RFC QSS Scale. Ginzo, je me sécure un bon item, quoi. Sur ma Kale, et dans tous les cas, avec Négatron, je peux faire Claw, je peux faire Zephyr. Vous voyez? La Spat en premier, Ginzo en deuxième, Kalice en troisième. Ouais, je suis d'accord, Kaizen. Merci, coach. Ah bon, on s'est fait Trinda. En quoique. Oh, putain de merde. Trinda merde. The one shot. Rip. Xayah 2. Non, Kindred. Xayah 2. Oh, Kindred. Elle a... Oh, la ulti, un Galio mort. Fuck! Arc diff? Ouais. Merci beaucoup, Shivaka! Merci pour le soutien. Oh putain. Après, il y a Lionel, hein. Ah, je pense qu'on va sécure ça. On va voir, ça se trouve, il y a une lanterne. Ça manque un peu de punch. Je sais pas. Ginzo, c'est ok, hein. Surtout avec Zeke, mais. Ça manque un peu de punch. J'aime bien avoir un gros Rabadon. Mystique over Divine. Non. Surtout pas avec une Nico. Avec un Shen, j'aurais peut-être considéré. Mais... Divine, ça donne même de bons dégâts. Pas de lanterne, slam Ginzo. C'est parti.
Attends le chat, s'il y a une spatule qui arrive au PVE, vous aurez tous raison. Vous aurez tous eu raison, il fallait attendre. Putain, on a perdu à cause de stream d'un. Ça, c'est Kalisklo, Zephyr. Worst case scenario, BT sur Xayah, c'est pas grave. Mais Ginzo, c'est pas mauvais. C'est juste que tant qu'elle est pas level 2, elle est très... Elle a pas beaucoup de patates, quoi. Hmm. Bon, les soldats d'Azir sont pas si mal, quand même. Hmm. 20 PV. C'est pas beaucoup, hein. J'ai pas un setup dégueu non plus, hein. Kayle QSS se fait trop facilement one shot par Trindor et Lyon. Et ouais, Kayle GA se fait trop facilement attraper par Aatrox. La morale de cette histoire. Craquito, papito. Oh, il fait du bien ce coup, non, hein. Oh, le 20 PV, il m'aurait fait mal. 28 PV, je peux top 4, mais... Papito. C'est pour ça que je vous ai dit qu'avec Xayah, tu vois, je suis même pas sûr que ce soit une bonne idée. Mais après, je suis en exec, surtout... En fait, je suis en élu exec, c'est lourd, mais je n'ai pas de... Je suis en élu exec, mais j'ai pas de spell crit. Du coup, c'est pas tant value que ça, le spell... Oh, est-ce qu'il va y avoir une spat? Ah non, pas de spat. Oh, la belle Warmog front, c'est très bien. Allez, oh, c'est pas mal ça. Que le meilleur gagne. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Pas mal. On a besoin de quoi là? Pas besoin de grand chose. Hein. Un chien. Le chien. Parce que sinon on peut faire ça et ça. Si on sent qu'on manque de punch, mais. Pour l'instant, on va laisser lui là. Je sais pas, chaîne. Négatron, peut-être qu'elle peut casse deux fois grâce à ça. Rarement. Mais après, on a Kayle 2, on va peut-être gagner un ou deux runes. Plus un que deux, mais. Ah, j'ai encore un fucking Nautilus. Merde. Fucking Nautilus. C'est vrai. Ça sert vraiment à rien, Nautilus. Oh putain, le Nasus 3, quel BG. C'est jamais ça. Et je pense que c'est ça. T'as mis un 2? Je suis mal positionné. Je comprends pas comment ça marche, Skin Damer, parfois. Parce que là, par exemple, Skin Damer, il a spin au centre. Je sais pas si quelqu'un sait comment ça marche. Là, on aurait jamais dû gagner ce round. Parce que Trindamer s'arrêtait là, dans le spin. Et il est pas allé jusqu'à là.
Ça dépend du vent. Bah ouais, je suis un peu d'accord. Hein. Non, je vois que là, je sais pas du tout pourquoi. Ah, on a 3 gigapères qui nous attendent. Oh, bordel. Mais il a gagné. Trop fort. Ok, c'est mon ami Douglas TFT. Mais je pense pas que je perds contre ces gens-là, mais je perds après, non? Pike a dashé devant Kayle, du coup Trinda avait plus la place de spin. Oh putain, c'est vachement intéressant ça, sérieux? Est-ce qu'il a changé son setup? Ah ouais. Ok, il y a Trox 2 ici. Il y a Spade Divin. Il y a Trox 2 ici. Je crois qu'on a surtout besoin de front. Là. Ouais, Spade Divin est huge. Surtout sur la Kindred ou la Xayah, mais... On a 15 PV, il faut que j'ai une front. Si ma front tombe pas, j'ai une chance. Après, tu me diras, contre Kayle et contre Aurélion et tout... Je pense que si j'ai un Azir, je vais virer Xayah. En fait, souvent, le bait, c'est 4 execs, je trouve. Parce que, en fait, tu as beau avoir 4 execs... Bon, en plus, j'ai pas Spellcry, donc je value même pas l'exec. J'ai beau avoir 4 execs, j'ai pas de... J'ai pas de... Bordel. Pas de punch. Parce que... il nous one-shot, l'autre Michel. Miss K8. C'est pas le bon. Nice. Merci Benny Christo. Et Rodimax, merci à vous pour les resubs les gars. 23ème mois déjà. Non mais la QSS, il y a beaucoup de match-up que je gagne uniquement grâce à QSS. Hein, mais... Là je suis en train de donkey à chaque tour. Hein. Oh le coach! Oh le coach! C'est les mêmes. Bon, ça va être l'une des deux belles bêtes là. Oh baby! Outplayed! Lucine devant Annie. Aurélion en ligne. Allez Lucine. Et avec le... Mais avec le grab d'Atrox, il a quand même Ultima Kayle. Oh, on a gagné. Oh putain de merde. Mais c'est pas normal ça. Ah, s'il vous plaît, il y en a un qui meurt, genre Douglas, il est l'heure de partir, Douglas. Non. Mais Douglas. Mais la Doug. Ah, oh, je vais prendre un moins 1000, et vous allez être heureux pour moi. Agui. Hagrid. Ah, c'est Nico. 5 Kayle dans le prochain rôle.
Et on est bon? Fuck! 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 Et le une? C'est fini, c'est fini. Adieu! 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 Pourquoi je roll? Oh putain, il est là! Same shit. Tant pis. Oh non! Bordel, c'est pire positionnement contre lui. Il y avait tellement de manières de l'outplay et je l'ai pas fait. Ah, matchmaking diff, putain. Tant pis. Lui, je kick Kennen, je kick Yone. Je mets Kayle à gauche, j'ai gagné. Mais bon. Allez, s'il vous plaît, là. Ok, ok, ok. Top 6. Oh non, il a la Morgane à Divin Clos. Ok, Nasus 3. Agree. Alors, a priori, c'est pas lui, donc c'est sûrement lui. Ou lui. Ok. Donc c'est forcément l'une des deux Samira. Donc je suis dans la merde. Donc, je suis dans une sauce maximale. Non, mais pourquoi? Putain. Mais je l'ai tagué avant le PVE, lui. Agree. Chaîne 2. Parce qu'on a chaîne 2, les gars. Chaîne numéro 2. Donc là, c'est forcément Tryndamere ou bien encore lui. En vrai, ça peut être encore lui. Mais alors là, si c'est encore lui, je craque. Oh putain! Alors on va voir si ça marche. J'ai remis Pyke et Trinda du même côté pour voir si Trinda bug. Ouais, ça marche pas du tout votre truc. Oh, Atrox! Atrox, incroyable! Et nous on prend avec QSS, le fight se passe bien! Allez! Allez l'équipe! Allez! Allez l'équipe! Oui! C'est gagné! Oui l'équipe! Oui l'équipe! J'ai quoi qui traîne? J'ai une Négatron? Rabadon, Warmog, Négatron, plus de Warmog, j'aime les Warmog. Tu cherches quoi là, Lee Sin 2? C'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est pas lui. Azir, mais je crois qu'il n'y en a plus besoin d'Azir. Ce sera... C'est... Oh, est-ce que je peux l'envoyer? Mais c'est encore lui! Mais enfin! Mais comment se passe ce jeu? Oh, bon sang. Oh là là, on comprend rien, on peut rien scout. Ah ouais, mais on peut rien scout, les gars, on peut rien scout. Hein. Mais comment je tombe 20 fois contre les mêmes personnes? Oh là là. Oh là là. Mais... Lui je l'explosais, en vrai. Et en plus, il a la chance qu'il est tombé contre l'élu de l'autre. Ça n'a pas de sens, en vrai. Parce que là, je me positionnais pas du tout contre lui. Sinon, j'aurais mis Lee Sin là.
J'aurais mis... Bon, après, il était peut-être plus fort que moi, maintenant. Et encore... Il y a un maire qui est mort au round d'avant. Ouais, mais bon... Parce que là, ici, lui, ça faisait boum. Et du coup, on jouait à 7 contre 8. Oh, le Kennen, Morello, Bramble, Trinité niveau 3. Bon, c'est pas incroyable. Mais ça fait 2-3 dégâts, quand même. Bah voilà, matchmaking diff. Merci, you can call me Seb. Merci pour ton abonnement. J'espère qu'il mettra en ordre le matchmaking. Mais bon, top 3 les gars, top 3. Je vous rappelle qu'on a lancé sur le main aujourd'hui, donc les gains de LP seront a priori complètement déséquilibrés et sans intérêt. Plus 12.